Pendant que je touche ces personnes qui sont devant,
ça va se propager jusqu'à l'arrière. Reste dans la présence du Seigneur simplement. Tu vas voir qu'une puissance va descendre sur toi. Et ta vie ne sera plus la même à côté de ce jour. Parce qu'il veut accomplir des exploits dans ta vie. Reçois cette puissance. Reçois cette puissance maintenant. Ça va se propager. J'ai dit toute personne, si tu as foi, aujourd'hui, si tu as la foi, regarde ce qui se passe dans ta vie simplement. Pendant que tu touches ces personnes, la puissance se propage de l'avant vers l'arrière. Recevez la puissance simplement dans cette rangée. Recevez cette puissance dans cette rangée. Des personnes vont être propulsées par la puissance. Des personnes vont tomber. Des personnes vont courir par l'assemblée. Des personnes vont être conduites par le mouvement. Comme par un mouvement électrique, quelque chose va se passer. La puissance de Dieu, tant que tu ne l'as jamais expérimenté, elle commence à se manifester à toi. Recevez simplement cette puissance. Recevez cette puissance. Recevez-la. Recevez cette puissance, ce n'est pas une affaire de force, c'est simplement la puissance de Dieu qui se manifeste. C'est l'heure de ton contact avec l'Esprit. Ça vient, 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 ça vient. Tes personnes sont électrocutées par la puissance de Dieu. Électrocutées par la puissance de Dieu. Électrocutées par la puissance de Dieu. C'est une idée de Dieu. Ça va se répandre, ça va contaminer, je dis, ça va contaminer toute cette église, ça va contaminer toute cette église. La puissance de Dieu, je n'ai pas laissé les bras. La main de Dieu est en train de répandre sa puissance sur tout le corps, sur tout le corps. Maintenant, sur tout le corps, sur tout le corps, je dis sur tout le corps. La puissance de Dieu est en train de venir, ça touche les enfants, ça touche, aidez-le, quelque chose se passe. La gloire de Dieu est en train de venir maintenant. Le Seigneur dit, je veux manifester ma gloire dans ta vie maintenant. Je vais manifester ma gloire dans ta vie maintenant. Regarde ce qui se passe. Regarde ce qui est à l'intérieur de toi. Le Seigneur dit, il y a assez de puissance. Il y a assez de puissance pour ressusciter les morts. Assez de puissance pour guérir les malades. Assez de puissance pour prospérer. Assez de puissance pour t'élever. Assez de puissance. Ça vient. Merci pour ta présence. Qui ne pourront plus rester dans le temps. Parce que la puissance de Dieu est en train de descendre comme des boules de feu. Comme des boules de feu. Ça descend comme des boules de feu. À l'intérieur. Le feu est à l'intérieur. Le feu est à l'intérieur dans le vent. Le feu est à l'intérieur. Ça sort par la bouche. Le feu sort par la bouche. Le feu sort par la bouche. Le feu sort par la bouche. Le Seigneur dit, regarde. Regarde maintenant. Regarde ce que je vais faire de toi. Un témoin. Un témoin au milieu de tes frères. Un témoin au milieu de tes frères. Et dit aujourd'hui, ta vie va changer. La puissance que tu reçois est pour te donner d'expérimenter des choses extraordinaires. Pour expérimenter des choses extraordinaires. Pour expérimenter des choses extraordinaires. Aidez-les. Il y a quelqu'un qui est en train de. La puissance est en train de descendre, c'est comme un feu. Écoutez-moi bien. Il y a 20 personnes au milieu de nous. Maintenant même, 20 personnes. 20 personnes que les anges sont en train de visiter de façon particulière. Maintenant même, je compte à toi. 1, 2, 3. Ça se répond. Des paroles, des professeurs, des temps de guérison, des miracles, des enseignants. Le Seigneur est en train de répondre sa puissance à cette personne. C'est 20 personnes. Maintenant, merci Jésus de le faire maintenant. Synonyme au milieu de nous. Synonyme, une personne s'appelle Synonyme. Écoute-moi bien. Le Seigneur est en train de te donner d'expérimenter sa puissance. Tu ne savais pas que le Seigneur pouvait le faire, mais aujourd'hui il te dit c'est possible. Posez la tête. Il dit c'est possible aujourd'hui, c'est possible. Pendant que tu es là, sa gloire est en train de te toucher. Il y a quelqu'un qui va bondir. Parce que la puissance de Dieu qui descend dans ton corps est tellement forte que tu ne pourras plus contenir. Il va exploser un jour dans ta vie. Il y a un jour qui
va exploser dans ta vie. Que cette puissance va se manifester dans les mains de la prédication. Écoute-moi bien. Tu vas prêcher la parole. Tu ne savais pas qu'il y avait cet appel. Mais regarde ce qui se passe. Aidez-les à venir devant, car la puissance de Dieu est en train de se manifester. Faites-le venir devant, la puissance de Dieu est sur vous. La puissance de Dieu est sur plusieurs personnes. Aidez-les maintenant. Là, maintenant, j'appelle les serviteurs de Dieu, les prédicateurs. J'appelle les prédicateurs. Aidez-les, la puissance de Dieu. Des hommes et des femmes. Le Seigneur est en train d'ouvrir les oreilles. Et t'attends le bonheur de temps. Des dons extraordinaires de révélation de puissance. Sur toi. Il y a une soeur qui est en train de pleurer. Écoute-moi bien. La gloire de Dieu est en train de se manifester à toi, ma soeur. C'est l'amour de Dieu qui se manifeste pour toi. Tu es en train de pleurer ta vie passée dans le péché. Quand le Seigneur te dit ceci, je t'appelle à la suite. Je t'appelle à la suite. Je t'appelle à la suite. Aidez la sécurité à venir devant ici. Voici le don de parole de connaissance. Parce que le Seigneur ouvre tes oreilles. Cette soeur est en train de recevoir le don de parole de connaissance. Parce que le Seigneur est en train d'ouvrir ses oreilles. Tu entendras la parole de Dieu. Et tu donneras la parole pour te dire. Voici la gloire de ce soir. Je l'offre. Sache que Dieu veut traiter avec toi. Quelque chose se passe. Faites la bénédiction.
Déraciner des arbres avec la force qui tombe sur ce corps. Le Seigneur va te révéler à la face de cette nation. Frère, Dieu fait quelque chose avec toi. Il va t'amener très loin dans la profondeur de Dieu, dans son amour infini. Il te fera connaître ses mystères. Et il va te loin de sa puissance. Pendant que tu es arrêté, tu as l'impression qu'on verse de l'eau sur ta tête et sur tout le corps. Et le Seigneur est en train de visiter ce frère. Une odeur agréable est en train d'environner sa vie. Car le Seigneur a pris pour toi un décret. Il a pris un décret et il te donne le sceptre du gouvernement pour opérer dans une dimension de délivrance. Le Seigneur est en train de moindre ce frère. Je demande aux anges de l'amener jusqu'ici. Je demande aux anges de l'amener jusqu'ici. Laissez-le. Laissez-le. Les anges vont l'amener jusqu'ici. Parce que le Seigneur est en train de le moindre de la tête jusqu'au pied. Voici que le Seigneur est en train de le moindre maintenant. Il dit, je le moindre. Je le moindre. Laissez-le. Ce n'est pas fini. Le Seigneur est en train de moindre d'autres personnes. Il est en train de manifester sa puissance dans la vie de d'autres personnes. Femmes et hommes. Femmes et hommes. Femmes et hommes. Au milieu de nous. C'est une option spéciale. Service donc. Aidez-les. Il y a des personnes qui ne vont pas contenir cette puissance. C'est une énergie qui va descendre sur toi. Il y a quelqu'un qui va recevoir cela, qui va crier. Parce que le Seigneur est en train de te dire ceci. J'envoie une puissance en toi qui va supplanter tes ennemis. Cette puissance va supplanter tes ennemis. Le Seigneur est en train de moindre cette personne. Moindre. 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 Aidez-moi cette personne. Le Seigneur est en train de le moindre maintenant. Il dit, c'est une option spéciale. Une puissance manifestée de façon spéciale. Aidez ces hommes. Aidez-le. Pardon, moi, c'est ce homme. Le Seigneur est en train de moindre les personnes maintenant. Voici ce que Dieu veut faire avec toi. Le temps arrive. Ils seront tous profits devant ta présence. Femme. Femme. Écoute-moi bien. La main de Dieu sur toi est évidente. Ne joue plus avec ta vie. Quelque chose va se passer pour toi.
libère. Dans la présence de Dieu, il veut libérer sa puissance en toi. Le Saint-Esprit est venu pour toi. Ce soir, il est venu pour toi. Ça coule de ton sein, ça coule de ton sein, ça coule de ton sein. Regarde, ça coule de ton sein. Quelque chose coule de toi. La puissance de Dieu est en train de se manifester à toi. La puissance au milieu de nous est en train d'ouvrir les oreilles de plusieurs personnes. La puissance est en train de délier la langue de plusieurs personnes. Ils vont parler en langue et ils vont prophétiser en langue. Bien-aimé, le trône plein de l'esprit et de la puissance va te donner de déborder. Des hommes et des femmes, jeunes filles, enfants, vont commencer à prophétiser en langue et parler en langue. Un langage que ces personnes ne connaissaient pas. Oh, je bénis Dieu pour cette jeune fille de 17 ans. Pour cette jeune fille de 17 ans. À qui Dieu fait don, Dieu fait grâce d'expérimenter la puissance de Dieu. Ma jeune soeur, écoute-moi. Ta vie ne sera plus la même. Dans ton milieu, on sera étonné de ce que Dieu peut faire avec toi. Laisse cet esprit te toucher.
Yeah.
Plus jeune.
puisse se manifester en plus. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ, papa? Acclame Jésus-Christ, papa. Acclame le Saint-Esprit, ce Dieu fort et puissant. Toute énergie est la parole de Dieu. Est-ce que tu peux me donner une phrase à elle très fort? Et que ça glorifie. Alors, tu vas prendre ton offrande, nous allons dire merci au Seigneur. Si tu crois que Dieu t'a vraiment béni, tu prends.